Alors, j'avais pas de grand rêve spécialement, mais je voulais être institutrice. Voilà, j'ai toujours aimé m'occuper des enfants des autres, etc. Jusqu'au jour où j'ai fait un stage en maternelle quand j'étais en seconde. Et ça m'a pas plu du tout. Et là, je me suis dit, mais mince, j'ai toujours eu envie de faire ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Aujourd'hui, je suis passée un peu par plusieurs étapes. Donc d'abord le journalisme, mon métier vraiment de base, celui que j'ai appris en premier. Et puis voilà, beaucoup de déménagements, de boulots différents, un moment une lassitude, je suis partie à Montréal. Retour de Montréal, l'envie de faire complètement autre chose, de démarrer une entreprise toute seule. Donc Winbean, c'est en fait voilà, simplement une application qui va aider les gens à bien trier, à savoir comment on trie ses déchets, et qui va les récompenser à chaque fois qu'ils auront bien trié leurs déchets. Ça n'a pas été un déclic, ça a été une opportunité. On m'a proposé de faire partie de l'aventure, on m'a proposé de lancer la start-up et je rentrais de Montréal, j'avais pas de boulot et ouais, ça a été plus l'opportunité qu'un déclic. Le conseil que je me donnerais si je pouvais me voir aujourd'hui toute petite, c'est de pas me mettre de barrières, d'avoir plus confiance en fait. Et parce que souvent les barrières qu'on se met, c'est pas les autres, hein, c'est nous-mêmes. On se bloque, on se dit non, je serai pas capable, j'ai pas les compétences, est-ce que je vais y arriver, ça va être trop dur. Il faut arrêter en fait de se mettre des barrières et aller, voilà, foncer, oser.